Ça tient, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va très bien. Aujourd'hui, le jour J, le jour très très spécial, le tout attendu. Donc la team, on va passer 24 heures dans la voiture, dans ma voiture. Donc voilà, à partir de 8 heures jusqu'à demain 8 heures. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu ouf. On s'est préparé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, course. Donc voilà. Et donc en plus de ça, logiquement, on va ramener des draps, des coussins, tout ça. On va ramener tout ce qui est course et tout, les draps, tout ça. On va les ramener dans la voiture. Donc, let's go, c'est parti. Venez avec moi. C'est parti, frérot. Voilà. Un petit sac Deliveroo. Voilà, je suis bien déhabillé en bas de l'ascenseur. Vas-y, accroche. Voilà la Ford Focus Aventador. Voilà le ballon de la Ligue des Champions que j'ai gagné en 2028. Waouh. Bah oui mon gars. Bon, tout d'abord on va décharger en fait ce qu'il y a là dans le coffre vite fait. Ouais. Et après on va commencer les choses sérieuses. Oh les bêtes. Commence. Ah ouais. Et là, voilà. C'est là qu'on va dodo mon gars. C'est là où on va dormir. Là on va mettre les draps, tout ça, Salem, c'est ça? C'est ça, et on va tout préparer. Vas-y, je vais faire ça. Première couche de drap sur laquelle on va s'allonger, Momo. Ça, c'est la préparation pour la Vugova, pour la Ford Focus Aventador. Aventador. La team, ça y est, donc regardez. En bas, ce sera le lit. Et voilà, là, on va dormir. Et là, donc, on a placé le petit sac avec les produits froids, le petit pack d'eau et les petits... biscuits, tout ça, céréales. Donc là, on va rentrer. Waouh! Ça fait trop bizarre. La team, ça y est, on est dans la Gova. Donc Salem. Eh ouais, mon gars. Bon, montre-leur les pieds et tout. Donc là, regardez. Hamdou, je suis petit de taille. Je rentre pile poil parfaitement. Donc là, c'est entre guillemets la vue qu'on a. Comme ça. Et là, on a tout simplement nos yep. Nos pieds, voilà. Pardon. Voilà. Ici, c'est la bon street. Ben on va faire comme si j'étais chez moi hein. On va se mettre à l'aise. Vas-y, vas-y. La team, voilà, dans la Gova. Donc Salem, on regarde est là. Donc il est quelle heure? Il est, regardez l'heure, hop, il est 8h15. Voilà, 15 minutes de retard par rapport à l'heure de base. Mais c'est pas grave, c'est à dire qu'il faudra finir à 8h15. Voilà. Aussi, donc voilà, on va rester dans la voiture jusqu'au lundi 18 février, voilà, à 8h15. Donc voilà. Donc la team, là, il est 8h15. Moi, je vais propose, dormir un peu. Voilà, on va dormir jusqu'à 10h. Parce qu'à 10h, il faudra prendre le petit déj. Et bon, mon gars, c'est très important. Donc voilà, 8h15, à 10h pile, on se réveillera, Inch'Allah. Donc la team, c'est parti, on va dodo. Non, j'ai filmé. Rien de mieux de commencer une journée avec un petit dof comme ça là. Ouais. Voilà, en plus ça vient de recette belge. Je suis là, je suis en manque de liberté là. Là il me faut de la liberté. Ça fait que 2 heures qu'on est là. Ah ouais, j'avoue, 2h30 à peu près. Donc là il est 10h30, donc ouais, ça fait 2h30. Tu vois, on va dire qu'on a commencé de 8h pour pas, parce que tu vois, 8h15, ok. Mais voilà, ça fait 2h30 qu'on est là. Très très bon. Je vous conseille, c'est trop bon ça, c'est hala, c'est perfecto, my nigga. Je propose qu'on finisse un petit déjeuner et après on verra ce qu'on va faire. Voilà, on va faire des abdos. Voilà, bref, on finit le petit déjeuner, on se retrouve tout de suite. C'est parti. La team, ça y est, on a terminé le petit déj, alhamdoulilah, on a bien mangé. Moi je vais continuer un petit peu à me reposer parce qu'après je vais conduire. Et oui mon gars, on va sortir, on va pas rester ici. Voilà. On va sortir mais avec la voiture bien sûr. Du coup on se retrouve tout de suite pour après, pour manger à midi. Ciao. Hello la team. Oh là là, il est où ton téléphone, Salem? Voilà, je sais même pas. Finalement, je me suis endormi aussi, j'étais KO, voilà, je vous dis la vérité, parce qu'il n'y a rien à faire. Donc regardez, finalement, c'est pas arrivé à midi, il est simplement 14h07.
Donc voilà, 14h07. Parce que voilà, en vrai, tu dors, t'es KO, c'est normal. Là, ce qu'on va faire, on s'est réveillé, on va aller derrière, on va escalader, ça va être le moment le plus hardcore. Puis on va sortir, on va manger. Je m'en bats les steaks. Voilà. J'ai faim. On se retrouve tout de suite. La team, putain de merde. Déjà que je suis gros et en plus je suis un peu grande taille, je galère. Ouais, attends. C'est là qu'il faut aller, Momo. Wow. Devant, allez, faut escalader par ce petit trou. Vas-tu réussir? Fais-nous rêver. Gangstars. What? Oh bordel, il a réussi. Bon Momo, je te rejoins. Vas-y, viens, passe la caméra. Comment t'as fait? Je passe les jambes d'abord. Voilà, et là ça va être chaud. Là, avec ta force des abdos, des muscles. Ah, une crampe aux abdos. Ah, j'ai une crampe aux abdos. Vas-y, allez. Ah. Putain, alors que je suis petit de taille, comment t'as fait, Momo? Frère, donc voilà, là, alhamdoulilah, on va voir la lumière. My nigga, my nigga. Oh, on va mettre la musique aussi. Salem. Là. Salem. Là. Bon, moi, je propose déjà, on sort du parking. Et là, on va danser. On va danser. Théo. Wow, la lumière. Je découvre la lumière. La lumière. Je découvre la lumière. Wow, le ciel. Les voitures. Momo, les arbres. J'y crois pas. J'ai une vie. Wow, c'est magnifique. La vie de ma mère, ça fait du bien. La team, voilà, là on va manger à midi le petit McDo. Encore une fois, donc là, on va être au Mac Drive. Putain, dommage. Regarde mon moment. Voilà, le petit McDo, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on va aller manger au Mac Drive. Donc on restera toujours dans la voiture. Ciao ou pas. Du coup, on va aller commander. On va filmer notre commande en direct, en live. Et ouais, tu connais mon gars, c'est parti. Ça y est, on est au Mac Drive. Waouh, contre-jour, mais c'est pas grave. Voilà, là, on est humble. On est contre-jour. Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour. Alors, à Maxi McFirst. Poulet au poisson. Au poisson. Frites Coca. Frites. Ouais. Frites, ouais. Et boisson. Coca zéro. Coca zéro. Oui. Et c'est tout. Un autre menu McFirst, s'il vous plaît. Mmh. Au poisson, mais un menu normal. Hein. Mmh. Et potatoes Fanta. Avec ceci. Ça sera tout. 10,90€, prochain guichet. Merci beaucoup. Waouh, Salem. Zem. Tu gères bien les meufs de commandement. Ouais, bon. Tout le monde nous pisse parce qu'on filme, mais nique-ta. Voilà la team, on attend la petite commande. En attendant. La team, ça y est, les petits McFirst, ils sont all. Ils sont là. Mon gars, donc là, on va aller se poser quelque part, dans un petit endroit. Oh, ça vous fait rappeler quoi cet endroit?
plus précisément ici. Hein? Yes, man! Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Mourion. Donc c'est une plage très très belle. On va se poser là-bas. Voilà, on va essayer de trouver manger. Un petit coin avec une belle vue pour bien manger, pour bien se poser là-bas. Mmh. Et voilà, on va se retrouver là-bas. Ben, en attendant, vous allez nous suivre. Voilà, avec des petits plans. C'est parti! Je la sors presque, ne fais pas de cadeau. Les nerfs avec le moussé qui m'appelle. Ça sonne ces bâtards qui m'appelle. Et depuis que je rappe, depuis que je recule tout. Et tous ceux-là qui veulent ma peau. Et ça m'appelle, ça prend des nouvelles. Et y'a des nouveaux, fais pas l'appel. Si t'es pas la bonne, ça sera de la peine. Zedo, elle a toujours feu sur scène, c'est léger. Leur ne joue et les jeux, car la matière est allégée. Tout est calculé, rien n'est fait à la légère. Même si tu fais BG, quand t'as de l'argent et que tu BG. Que Maradona, présence de maths. Oh shit, we are in the bouchon. Oh, we are in the blocage, blocus. Glock, si tu fais le gaillard, je suis dans le hall, t'as le nez dans tes cahiers. Parle pas trop, ça porte, on veut la coupe, gardez vos médailles. Le terrain est ouvert à midi, c'est pour le pain de vin qu'on fait la bataille. Merco, c'est le bateau, fessé, pas de bêtises. Y'a qu'avec toi qu'on fait la jeuvière. Des réglons, on t'avance des affaires. On sait le faire, on sait se taire. Rien des villes comme à Manchester. Tout, j'ai coulé, vous, c'est vous là, je suis trop vénère. Bientôt j'envoie Trap Star de tir sur ma bœuf, elle sent bon. Mega, tout bang. Wesh, bien ou quoi? On est arrivé. On ne voit pas contre jour, voilà. Voilà, donc la team, on vient d'arriver. Montre-leur, Momo, le petit plan là, ce voilà, déjà là, les petits palmiers. Donc là, c'est le Mourion. Donc voilà, c'est le sud, mon gars. Ouh, voilà, montre-leur, voilà. Là, tout à droite aussi. Ouais, donc là, regardez la plage. Et voilà. Là, on a une petite vue qui passe crème. Tcha, mais dommage, je peux pas descendre. C'est vraiment dommage. Ouais, en donc, plus, voilà, comme par hasard, il fait chaud aujourd'hui. Putain, ça me rappelle l'été, j'ai envie de descendre, moi. Mais là, la vue de ma mère, je suis en t-shirt. Et j'ai pas froid ni rien. Je suis en mode au calme. Bah oui, vraiment. On dirait l'été, frère. C'est magnifique, vraiment. Bon. Voilà là. Ce qu'on va faire. On va bouffer. On va manger McDo. Dégustation live, on est là. Vas-y, à tout de suite. Attends, là. La team, voilà, ouais. On est là. Petit McFirst, regardez-moi ça. Tcha. Hop, le petit McFirst. Oh là 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 là. Par contre, c'est. Les petites potatoes. Par contre, ces petits bâtards là, ils ont même pas mis de sauce pour les frites. Putain. Voilà. Bon, on va fermer les fenêtres parce que sinon le bruit des voitures ça fait pas plaisir du tout. Ah ouais, la team vraiment je la dalle là, je vous jure. Donc on a dormi jusqu'à 14h pour avoir un peu faim parce que franchement à midi j'avais pas. Mais en plus tu vois le matin t'as rien à faire, tu peux pas sortir. Si on dort pas, voilà quoi, tu vas te fatiguer et l'après-midi tu vas être mort alors que c'est là que tu peux profiter un peu quoi. Et nous en plus on a d'autres trucs à faire là. Vous allez voir. Oh là 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 mon McFirst. Oh là là. C'est la débandada. Vas-y. Oh donc là. Oh là là, t'es con toi aussi. J'ai niqué ma voiture. Allez. Donc la team, voilà. Donc si le comment vous dire ça, genre si on filme pas bien tout ça, désolé parce que voilà quoi, on est pas dans notre chambre quoi, on est dans la voiture. C'est pas notre zone de confort. Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant. Et voilà, donc là quelle heure? Il est 15h22. Donc il nous reste combien Salem? Il nous reste exactement 15. Plus 17h. Il nous reste 17h à survivre. Un peu moins, donc 16h voilà. Et quelques. Donc voilà, on va rester dans la voiture encore. Et vas-y. La team. T'as pas gros ou pas? Vas-y. 1, 2, 3, bismillah. Bismillah. Depuis quand il met du ketchup dans les McFirst? Ouais, ils m'ont mis du ketchup. Moi aussi. Bordel. La team, regardez qui est venu. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Hein? Salut la team. Salut. On est en train de faire quoi? Donc la team, regardez ce qu'on est en train de regarder. Putain, c'était il y a plus de un an et demi. Je t'en prie de retourner ta chromatique. On regarde nos vidéos.
Ouais, on regardait des vidéos à l'ancienne qui datent de un an. Attends, il y a nous, il y a nous, il y a moi, il y a Momo, putain. Moi, je sais, je connais ce qu'on. Voilà. Ouais, en sachant que nous, avant de venir, la manger en plus. Ouais. La team, voilà. C'est moi que j'ai grillé avant de venir. Ah, la vie de ma mère, c'est des sales souvenirs. Bon, là, on va profiter encore un peu. Donc, d'abord, regardez, il est quelle heure? Il est 16h42. Donc ça fait combien de temps qu'on est là, Salem? Ça fait depuis 8h40, ça fait 8h42. Voilà. Là, on avait un retard de 15 minutes, donc 8h30. 8h30, ouais, voilà. Donc la team 8h30, donc là nous l'arrivée, on va regarder encore quelques vidéos. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au poker avec Nour, tout ça, au Uno, tout ça. On va boire, manger, etc. Et voilà, donc on va rester jusqu'à quoi? Jusqu'à dès qu'il fait nuit en fait, on va essayer de bouger un peu ou quoi. C'est ça. Et voilà, donc pourquoi pas, on va essayer d'organiser un petit truc après le soir. On va voir. On verra si essayer, c'est faisable ou pas. On va essayer. Voilà, donc restez jusqu'à la fin, j'espère la team, que cette vidéo que vous plaît. En train de kiffer, voilà, franchement, vraiment. Nous on kiffe de malade. Hein. Ouais, je te c'est... jure. Et je vous jure, la team, depuis tout à l'heure, on n'a même pas mis un pied. Franchement, on commence un peu fatigué, mais voilà. On est tellement en train de kiffer que là, bim, rac, boum, on ne s'arrête pas, frère. Comment? Bim, rac, boum. Non. Bim, rac, boum. Allez, in 2. In 2. In 2. Allez. 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 La team, donc voilà, on a changé d'emplacement. Et depuis 8h du matin, on est là dans la voiture. Donc là, il est quelle heure? 17h22, montre l'heure, Momo. Voilà. Et on rencontre notre premier empêchement. Donc voilà, notre première difficulté. Après 9h... et 5 de, ouais, voilà. De, d'enfermement. Depuis 8h15, on est là. Voilà. Donc, notre première difficulté, c'est quoi? C'est nos besoins. Donc, la vérité, j'ai envie de faire pipi. Donc, voilà. Voilà, moi aussi, vraiment, je me tiens depuis tout à l'heure. Et donc, depuis 8h, on n'a pas sorti un pied de la voiture. Je vous jure, c'est vrai. Même pas nada. Pas un seul pied. Donc, là, je pense. C'est voilà, parce que ça va être notre on n'est pas petit joker, donc voilà. Parce que là, on n'est pas enfermé dans des dans la salle de bain ou quoi, où il y a des toilettes ou quoi, ou des airs comme ça. Donc là, je pense qu'on va faire quoi? Maximum 5 minutes, même pas. On va aller pisser, après on revient dans la voiture. Et la team, donc moi, ce que je te propose, Salem, déjà on a commencé à 8h15. Donc vu qu'on va pisser, on finira on à 8h. Voilà, voilà, à 8h20, on se cassera. Et ça fera voilà 24h. Voilà. Voilà. Donc voilà, la team, on va aller pisser. On va filmer ça. Comment on va pisser. Non, t'es fou. Non, je rigole. Bon, on se retrouve tout de suite. Waouh! Oh Momo! Ouais! Voilà, je galère à marcher, j'ai oublié comment on marche. Oh, frère, en fait, il faut que tu lèves ton pied droit, t'avances ton pied gauche. Hop, frère, hop! J'ai des jambes! Voilà, j'ai des jambes! Putain! Bon, vas-y, allez, va pisser là, petit bâtard! Putain, j'ai trop envie de pisser là! Qu'est-ce qu'il me met? Nour? Putain, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte! Mais sinon, à part ça, franchement, c'est un truc de malade. Je kiffe vraiment les défis comme ça. Ah, ben il est là. Hey, t'as pissé, c'est bon. Ouh, tranquille. Voilà, ça fait du bien, la vie de ma mère. Ah, merde, non, j'aime pas être assis. Ah, je suis obligé. Vas-y. Claquer chaussettes. Claquer chaussettes. Claquer chaussettes. Claquer chaussettes. Ouh. Regarde, ça dégaine. Putain. Ça va plus loin la prochaine fois. Ouvre que tes yeux. La grosse moula. Il est content. Voilà, ça fait du bien, frère. La team, on s'est calé quand soudain on a vu un mec aller là-bas. Attendez. Attends. Voilà, ça pisse très bien. Il m'a vu sa race, mais c'est pas grave. Voilà là, cet endroit. Voilà, c'est un coin pisse. La team. C'est un coin très prisé. Voilà, c'est un coin vraiment très très connu pour pisser. C'est le meilleur endroit pour pisser. Belle vue derrière les poubelles. Parfait. Bon. Non, mais y'en a, ils ont pissé derrière les poubelles. Nous, bas les couilles devant tout le monde. Sortons ce gag et pisse. Dans une voiture, ta vidéo qui va sortir vendredi. Ouais, la team, ça y est, on retourne dans le parking. Et voilà, on est revenu, on était dehors, voilà, c'était posé vite fait.
Donc voilà, on a ramené. C'est un peu allongé. Donc là, on se retrouve dans la même place voilà. où on était ce matin. On a ramené Nour chez lui parce qu'on habite dans les bâtiments en face. C'est donc notre voilà. voisin, ouais. Voilà, c'est notre voisin. Et du coup, là, Salem, il est quelle heure? Il est 20h13. Voilà, 20h13. Donc là, on a le temps de manger, se reposer un peu avant la soirée. Et je pense qu'après la soirée, on va rester, je sais pas, on va jusqu'à 2-3 heures, on verra. Donc là, ce qu'on va manger pour le soir, voilà les sushis, ils sont bien froids. Voilà, les petits sushis de chez Lidl. Tu connais la base, hein, quand c'est la hess. Puis ça, le truc que je voulais goûter depuis longtemps. Hop, c'est du caviar, mon pote. Nègue. Donc ça aussi, on l'a trouvé à Lidl. C'est un petit produit de luxe, mais là, j'ai plus de luxe que du luxe. Voilà. Le sandwich de la Hesse au débat, ton crudité. Voilà. Deuxième sandwich de la Hesse. Celui au saumon. Voilà, voilà, les triangles. Puis, on m'appelle la Hesse. Là, les tortilles, surimi et touche d'estragon. Et ouais. Voilà. Bien sûr, on a ramené des fourchettes et tout. Et des fettuccine, voilà. Donc voilà, c'est comme des petites pâtes, voilà. Aux deux types de saumon. Voilà le petit caviar. Waouh. Tu vois, même dans la voiture, on mange des trucs de luxe. Waouh. Tu sais, j'ai peur un peu. Je connais pas ce goût. Ça sent des petits poissons, frère. Oh. Je vois des petits filaments. C'est normal, c'est des bébés poissons. Vas-y, maman, tiens. Vas-y, goûte, goûte, goûte. Ils font ça? Ouais, tu fais ça. Bismillah. Donc voilà. Bismillah. Je sais pas, je connais pas trop ce goût là. Oh, il est bizarre. J'aime pas trop moi. Non, moi ça va. Donc la team là, on va s'arrêter là un peu. On va mettre Netflix, on va regarder une petite série, voilà. etc. On va se reposer comme d'hab et on se retrouve lors de la soirée tout simplement. Voilà, on va donc, danser voilà. pour toute la vie. Non, la soirée en fait ça sera dehors, voilà, dans un parking voilà. ou quoi. Mais nous, juste pour voir des potes. Mais nous, n'oublie pas notre défi. On ouvrira le coffre comme tout à l'heure. On restera dans la voiture. La team, voilà. Regardez qui est là. Regardez Giga qui est là. Gigatacos man, el grande de magnifico de Gigatacos man. Voilà. Vous l'avez tant demandé dans les commentaires. Il est enfin ici, donc voilà. Voilà, donc la team, regardez les quelle heure, Salem. Putain, je suis KO frère. Attends. Voilà, et voilà. Minuit 10, 11. Donc ça fait depuis tout à l'heure en fait, on est là, on parle avec Gigatacos man, le tout et de rien, on fait passer le temps. Et ça voilà. Ça fait facile 2 heures qu'on est là, donc voilà. Oui. Après ça va se finir en dodo jusqu'à 8h du matin. Voilà, on va voilà. se lever, ça sera la fin. Là je suis épuisé frère. Comme si j'étais né à Brooklyn. Je suis dans la ville, je pense aux blessures qu'on. Donc la team, voilà, regardez les quelle heure. Il est 2h32. Aïe. 2h32 donc voilà. Donc la team, Gigatacos man, il est rentré, donc voilà, on est vraiment. On a eu des. C'était 4 heures avec Gigatacos man. Je vous jure, on a eu des débats de malade. Donc voilà, on va pas rentrer trop dans le sujet. On a parlé, donc voilà, tranquille. Là, il est rentré parce qu'il était KO, tout ça. Et voilà, donc nous, avant de rentrer, Salem, il va me laisser conduire un peu. Donc filme un peu le parking. Donc voilà, il est presque abandonné, tiens. Voilà, il est abandonné, il n'y a plus de dégâts, il n'y a plus personne. Voilà, juste une voiture là-bas, sinon il n'y a plus personne, le parking. Voilà. Le parking est vide. Voilà, voilà, donc. Regardez comme au bled, vous vous rappelez de la vidéo au bled ou pas? Hop, embrayage, on met marche arrière, on n'oublie pas le frein à main, tac. Voilà, hop, là, on met la première, tac, tac. Deuxième, embrayage, deuxième, boum. Vous montez voilà, un pilote, vous montez un pilote. Troisième. Ouais, il n'y a personne. Momo, le pilote. La team, voilà. Wow, ça sonne elle. Donc la team, regardez. Vous là, frère, je suis choqué. Voilà, hop. Il est 4h48. Donc voilà,
Samblas, Samblas, Léon, Nidas, Sassonel. Donc la team. Je suis choqué, la vie de ma mère. Oh, la team, ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie qu'on parle avec Momo. Mmh. Mais en fait, là, c'est 24 heures là qu'on a passé dans la voiture. Ça nous a calmé, ça nous a fait prendre du recul sur la vraie vie. On a parlé de YouTube, on a parlé de nos petits projets, nos idées à droite à gauche. Waouh, on a parlé pendant 2h30 sans s'en rendre compte en fait. Et là, il est bientôt 5h du matin, dans 10 minutes. Ouais. Il va nous rester 3h10 à peu près. Bon, rajoutons les temps extra, tu vois, quand on est sorti de la voiture pour aller faire pipi ou quoi. Donc, on va dire encore 3h30. Voilà, 3h30. C'est donc je pense que c'est faisable de ouf, tu vois, ou pas. On va bientôt réussir notre défi, enfin. Que vraiment, très très belle expérience. Vraiment, je regrette pas du tout. Très très belle, même pour dormir. Je crois que je dors mieux ici que chez moi. Voilà, franchement, c'est moi, en tout cas, je kiffe être un peu enfermé, mais pas trop. Tu es un peu enfermé dans mon petit coin, tout ça, je kiffe, moi. Et voilà. Et ouais, mon gars, donc voilà. Non, plus sérieusement, la team, voilà. Bon, là, on va dormir. On va se retrouver ce matin, donc demain matin. Inch'Allah. Oh, frère. C'est quoi ce bordel? Regarde nos têtes. Putain. La team, regardez les quelle heure. Il est 11h09. Putain, on s'est couché tellement tard qu'on s'est levé tard et qu'on a oublié l'heure. Donc voilà, on a dormi, on va être surveillé. On est encore de la voiture là. C'est-à-dire que là, normalement le défi on l'a gagné de large, tu vois. Ouais, quoi. On a fait le temps extra, on a tout fait. On a fait combien d'heures supplémentaires? On a fait à peu près 2,5. Voilà, bon, on sera payé 2. Donc voilà la team, franchement, alhamdoulilah. Il faut mettre un pied dehors. Oh! Ih! Momo, t'as des pieds! Oh. T'as des jambes? J'y crois pas. J'y crois pas. 7 sur 7. Je suis, ça y est, sur le sol du parking. Ah, descends, toi. Vas-y, descends. Voilà, frère. Tiens, quoi? C'est moi. Je peux me mettre debout. La team. Voilà, la team, vous reconnaissez la chambre. Donc franchement cette vidéo, j'ai kiffé la tournée. J'espère que pour vous c'était un plaisir, c'était fatigant. Donc c'était une expérience assez spéciale. Mais voilà, on a réussi. Sans perdre de temps, voilà, bonne nuit. Moi je vais dormir. What? Voilà, je suis KO frère, bitches, I'm KO'ed. Donc plus heureusement la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez maximum de likes, partagez, commentez et nous on se dit très très bientôt. À la prochaine pour une vidéo. Bonbonne de chez sa mère.